Bonjour. Le lectionnaire de cette semaine nous offre un passage assez connu chez beaucoup de chrétiens. Chapitre 14, verset 6 de l'Évangile selon Jean. Et Jésus lui répondit à son disciple: Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Pour plusieurs siècles, plusieurs chrétiens ont vu dans cette affirmation, dans ce passage, comme l'argument numéro un pour dire que voici, nous avons la bonne religion, nous avons raison, nous sommes totalement justifiés de propager cette bonne nouvelle au prix ou mépris des autres religions. On a juste à regarder ce qui s'est passé en Amérique du Nord avec les Amérindiens, en Afrique, en Asie, tout ce mouvement de colonisation-là, qui était, oui, pour des raisons économiques et politiques et impériales, mais il y en a que c'était vraiment des raisons religieuses, de dire que ces pauvres gens-là n'auront pas accès à Dieu. Oui, ils ont leur petit rituel, performance, mais ils n'ont pas vraiment accès à Dieu parce qu'ils ne croient pas que Jésus est la voie. Et ça s'est continué, et même encore aujourd'hui, on entend certaines personnes dire que, par exemple, l'islam, c'est pas une vraie religion parce qu'ils suivent pas Jésus. Et si, voilà. À tous ces gens-là qui disent ça, j'ai souvent envie de leur raconter une vieille blague là, dans les milieux religieux. C'est une fois un gars qui arrive au paradis. Puis qui veut, ben, il veut visiter, là. Fait qu'un ange commence à faire le tour. Puis là, il y a une porte, il ouvre la porte, puis il voit des moines en méditation qui vont. Qu'est-ce que c'est ça? Il dit, ah, ça, c'est notre salle de bouddhiste tibétain, c'est très zen, c'est très calme, merveilleux. C'est OK. Ferme la porte, deuxième porte, qui ouvre, puis là, les gens dansent, ta 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 ta. Qu'est-ce que c'est ça? Ils disent, ah, ça, c'est les gens de l'Inde, tu sais, puis ils sont en train de préparer un spectacle de Bollywood, puis c'est très le fun, c'est dynamique, tu sais, ah, c'est très le fun, tu sais. Puis avant de passer devant une autre porte, là, je dis, j'aimerais ça que tu marches la pointe des pieds, puis tu fasses pas de bruit. C'est, ah, ok, pourquoi? C'est un groupe de chrétiens, puis ils pensent qu'ils sont tout seuls ici, là, fait qu'il faut pas les déranger, il faut les laisser dans leur bulle. Pas une grande blague, mais ça fait quand même réfléchir sur la position du christianisme par rapport à toutes les autres religions dans le monde. De nos jours, on estime qu'il y a à peu près 10 000 religions à travers le monde. Et selon The World Christian Encyclopedia, j'ai consulté, il y a à peu près 150 grandes religions qui ont plus d'un million d'adhérents. Donc, ce n'est pas des phénomènes marginaux. Et de dire que Jésus est la seule voie, que le christianisme est la seule voie, c'est un peu d'affirmer que moi j'ai raison, nous avons raison, et les 9999 autres groupes, ils sont dans le champ. Ils ont pas raison, ils ont tort, il y a juste moi qui ai raison. Ça nous fait réfléchir. On peut aimer ce qu'on fait, mais est-ce que ça veut dire que tout le monde doit avoir tort, tout le monde doit être ridiculisé, tout le monde doit être soumis à notre façon, à nos façons? Il y a un pasteur de l'Église méthodiste des États-Unis qui a écrit justement là-dessus, qui a réfléchi là-dessus, qui disait: Trop de gens pensent que on habite une toute petite maison avec une seule minuscule porte. Mais c'est pas ça l'essence du message de Jésus. Jésus nous dit, après, un peu plus tard dans ce texte, la maison de Dieu est immense. Il y a plusieurs pièces. Il va y avoir de la place pour tout le monde. Et c'est peut-être ça qu'on a de la difficulté à comprendre, qu'il y a plusieurs portes. Et que Jésus est peut-être, oui, la vérité, la voie pour nous chrétiens, pour nous qui croyons ça.
Mais ça ne veut pas dire que ça exclut les autres, qu'il y a peut-être une voie pour les musulmans, puis il y a peut-être une voie pour les juifs, puis il y a peut-être une voie pour les bouddhistes, puis il y a peut-être une voie pour les animistes, puis... et ainsi de suite. Que avoir raison ne signifie pas, m'excuse, que les autres ont nécessairement tort. Ça me fait penser à un vieux proverbe japonais qui dit qu'il y a plusieurs chemins qui mènent au sommet de la montagne, mais au sommet de la montagne, tous et tous sont capables de voir les mêmes étoiles. Et c'est peut-être ça dans le monde dans lequel on vit. Un monde qui a de l'air divisé, mais dans le fond, peut-être qu'on aspire, les gens religieux, les gens de foi, essentiellement la même chose. On prend des voies différentes, on prie différemment, on utilise des mots différents, mais au fond, on aspire à la rencontre de Dieu, d'un être divin, quelque chose de plus grand que nous, quelque chose qui donne un sens à nos vies, qui ordonne un peu notre univers, et que, au lieu d'utiliser des versets comme on a ce matin pour nous diviser, pour essayer de nous montrer supérieurs, ben de dire, ben, moi, c'est ça ma vérité. Moi, c'est ça le chemin que je suis. Toi, c'est quoi? Ah, puis se comprendre, puis se connaître. Puis c'est ça que je vous souhaite cette semaine. D'avoir la chance de rencontrer quelqu'un qui a des valeurs différentes que vous, qui a une spiritualité différente, d'une foi différente, puis d'être capable d'échanger dans un contexte positif. Pas pour gagner l'argument, là. Mais d'échanger vraiment, de s'écouter vraiment, de se respecter dans tout ça, puis de grandir dans tout ça, puis de voir le monde d'une perspective différente, pas nécessairement d'abandonner ses valeurs et sa foi, juste comprendre comment que les autres puissent réagir. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, portez-vous très bien et à très bientôt. Bye bye.